Oh biso bana toyo biso bana quartier boye biso bana quartier boye na kati ya groupe wana ba leader ba kobima po ete epesa biso nzela soki lisali si ezali toko koma esika bino bozali toko kutana na ba leader ya groupe na bino wakati mulifika atukupenda kuja haraka haraka kwani mulifika mjui ni wapi mtafikia tulitaka mupate nafasi Mukisha ikaa, munangalia ni wapi mutaweka vichwa vyenu, munaunda makundi mbalimbali. Kila kundi nakuwa na musimamizi ambaye anayesimamia, ni hapo ndipo tunaweza kufika na msaada tunajua. Hiyo msaada tutafikishia nani, ni nani atagabulia wengine. Na kanisi elongo na ba humanitaire, tobandaki deja kosa la poete, to kantifie bato, nenge bakomi deja awa, Toye ba montuya ya bato bazali awa ndenge nini bavandi poete assistance atamuke ezoko banda na niveau ya province toko komisa kokoso ya liboso ezali mai ya komela tala bana ndenge ba se déplacer tala ba vieux ba tata na biso ba koko na biso pe bazali na kati mai nde ezalaka kokoso awa to banda kokomisa mai awa epai bino bozali pe to memi na lumuke kama biscuit glucosé de façon que bana mike mike ba mela ba lia ta biscuit ba mela no mai en attendant to komisa muke muke na lisali si ya ba manani ba humanitaire et puis gouvernement na biso pe ezali kotika biso te pona kotia biso maboko to s'occuper convenablement na baye bazali na déplacement pamoja na wenye kusika na mambo ya msaada kwa wakimbizi Tuliweza kutatua nabo shida kujua kwanza hesabu yenu munakuja watu wangapi. Na hivyo tuweze kuleta msaada kwenu, tulete kwanza maji ya kunywa kwa njio, itaji ya kwanza ambao watu wanakuwa nayo. Tunawaletea nusu ya maji, tunaleta pia biskwiti, iliweze kusaidia kwa biskwiti nao kuna sukari ndani, itasaidia watoto wakikula iweze kuwapa nguvu kumwili na kukunya juisi kidogo na maji, Na baadaye kutakuja msaada mwingine kutoka kwa makampuni yanayohusika na msaada kwa wakimbizi pia misaada zingine baadaye itakuja kutoka kwenye government yetu ya Kongo tokea Kinshasa. Na profite pe na occasion yo pona ku féliciter bino mingi batata ba mama bandeko na oyo nyoso bosali elongo sima ya arme na bino tozali ko bunda bitumba oyo pona ekolo na biso bino nyoso sima ya arme ezali ko pesa biso esengo mingi na motema na wapongeza sana wa baba na wa mama wakaka na wadada kwa ajili ya tendo yenu ya kuweza kujiunga nyuma ya jeshi yenu tuko napigana hii vita kwa ajili yenu na nini mnajiunga nyuma ya jeshi ili akupatia jeshi moyo na wapongeza sana na washukuru kabisa boye biete biso to vivaka na mboka na biso to zali na badjomba kuna na bilanga na biso na bingwele na biso to komi mbala o mbala soki to loni na tango ya kobuka bako ya to kimi to tiki ndako na biso bako bebisa to tiki biloko biso bia biso bitumba oyo ezali kozongisa biso na provete ya kosakana te munajua sisi uko chomba tunaishi tunalima shamba zetu Inapofika wakati ya mavuno, wanakuja kutukimbiza, tunaacha mavuno yetu, vifugo yetu, wanabeba yote, hakuna gizi tuweze kutumika na kuendelesha na vijiji yetu na fasi tunayoishi. Hii vita inaturudisha nyuma sana. Na yango batata na ngai ba mama bandeko. Na banza, lelo oyo, totika loyenge totika babiloko moko ya intoxication babiloko ndenge wana totala kaka monguna oyazali liboso na biso moto aya na ba distraction pamba pamba te po akokabola force otozali na yango tozala biso nyoso elongo ndenge balobaka na lo poto ko se souder le coude tokende elongo liboso ya monguna oya ekolo na biso wa baba wa mama na wandugu tujiunge mkono tuwe mtu mmoja
tuache kufatana watu ambao wanatuletea upumbuazi, watu wanakuja kutuambia maneno ya kutushtua moyo, tuchukie jeshi, tuchukie government yetu. Hapana, tukatae watu kama wale. Kama vile watu wanasema kifaransa, tuweze kuungana mkono na tuunde, tukoe mtu mmoja, tuweze kugombanisha yule adui. Ndenge botelemi awa, bandeko na bino ya République démocratique du Congo, mobimba, Congo mobimba, matoi miso makanisi na bango, nyoso ezali na bino awa na Rutshuru. Gisi muko apa, nataka mchue ya kwamba, wandugu wenu wote, wakongomani wote, kwenye wanapatikana kwa majimbo zote za Congo, masikio yao, na macho yao, roho yao, iko hapa kwenu kwenye wanapatikana. Po ezali likambo ya mabele. Kwani kaka tolobaka toko tika ta centimètre na biso moko na monguna te. Ata lelo bino moko bozali awa. Kwani shida tunayo ni shida ya udongo yetu. Kama vile tunasemaka tutaacha ta centimètre moya kubaki kwa mkono ya adui, tutamupika vita mpaka taruti kwenye alipotoka. Na banza na banza Congo mobimba o ezali sima ya bana Rutshuru ekotika te. Ezala na diaspora na biso o ezali na monde entier. Diaspora congolaise mobimba na monde entier. Matoi miso na bango, souci na bango nyoso ezali awa na territoire na biso ya Rutshuru. Ndenge lelo ezali na maboko ya monguna. Wandugu yetu yote wa Congo kwenye majimbo wanapatikana, hii watu wa kongomani wanaokuwa nje ya nchi, wote mioyo yao, akili yao, macho yao yote inatega tu hiyo kitongoji ya Rutshuru kwenye vita inapatikana, kwani kila kongomani anataka amani irudi, adui atoke kwa nchi yetu. Na koyebi sana bino lisusu distraction ezala te. Tozala concentré. Tota la kaka monguna o yazali liboso na biso. Bako ya ko disere biso. Otala, motu ka moniso e kumbi monguna. Nyoso wana yazali distraction. Ezali technique ya monguna. Motu ako sabino teba na Congo. Moniso azali awa. Effectivement azali na mandat. O azali ko sala musala. Musala ya forces armées à République démocratique du Congo ezali ko défendre intégrité à territoire, ko protéger population na biloko biabango. Nataka muondoke ndani ya upumbuazi, wasikuje kuwadanganya kwamba mnaona hiyo gari ya Monisco inapita inaficha maadui ndani zake, muanze kushambulia Monisco. Musahau ya kwamba tunakuwa na adui mmoja. Ni kweli Monisco iko hapa kwa kutusaidia kuleta amani, lakini tusisahau ya kwamba tunakuwa na jeshi letu FARDC ambao kazi yao ndio kupiganisha adui na kumuweka nje ya nchi. Sisi sote tuungane mikono, tuangalie adui mmoja, wasitudanganye tufuatane na Monisco tusahau adui. Ba manifestation telle que kobare banzela, kobarikade banzela, non bande konangai. Toza la motema pio. Ko barikade banzela wana ezali ko zangisa musala ya malamu na service ya défense na ya sécurité. Et puis ba humanitaire esengeli ba circuler normalement. Botika libre circulation ezala Monisco, ezala FADC, ezala ba humanitaire, de façon que toko makana accès pour la défense, toko makana accès pour la intervention, pour na soutien, pour na maemaso tali population na biso. Asira ambayo inakuwa na tukumba, tufunge barabara, tuweke mawe kwa barabara, tulunguze vitu kwa barabara, haiko nzuri. Tusifanye tena mambo kama haya, inabidi barabara iwe wazi ili wakati ambao msaada utahitajika, wenye kuleta msaada wapate njia wazi kupita. Kama ni jeshi napaswa kuleta msaada, wala polisi wapite kwa raisi ili watuletee msaada kama vile inavyofaa. Tusijiache watu kutushawishi kuanza kuleta fujo ya kuweka mawe kwa barabara kufunga njia, hiyo sio nzuri. Ba manifestation oyo ezali ko distraire biso. Hiyo masira inatuletea upumbuazi.
ba manifestation oyo ezali nzela oyo monguna pia koki ko infiltré biso ifo toye ba eloko wana katika asira kama aya adui anaweza anajitumbukiza ndani yetu inabidi tujue hiyo message na nga ya lelo ezali message ya responsabilité oya biso banso esengeli totala eloko moko pamba te soki to sangisi ko tala gauche droite biloko ebele mbala moko bako bunza biso mayele pona ke monguna azwa nzela ya kokotela biso ujumbe mbona waletea leo nataka kwamba sisi sote tuangalie ngambo moja tuungane mikono tusitike watushawishi watuingize ndani ya upumbuazi na adui akuche atuingilie ndani hapana tuangalie sote ngambo moja tuungane mikono compassion na biso tuzali kuzwa ba coup de fil ezoko wuta pai biso na territoire ya Rutshuru na bandeko na biso oyo bakangami kuna na kati bazali bandeko na biso bakangami na kati ezali kosala biso pasi mingi mais baye bake na mosika oyo bazali biso totali elongo na bango tuna uchungu sana tunapopokea masimu ya ndugu zetu kongomani ambao wanakuwa Rutshuru wanakosa gisi ya kutoka wanapotuita inatuletea uchungu sana lakini nataka ya kwamba wajui atuachilie tuko nao pamoja tutajikaza tu ili tuwagomboe nao pia gouvernement central bango bako kite awa na banza intervention eza l'assistance eza liko bongama de façon que te porter tant soit peu na souffrance ou ya population abiso ou ya kimi tumba ezali awa plus précisément na territoire ya Nyiragongo government yetu ya Kinshasa karibuni hapo watafika na msaada ili waweze kuwasaidia nini raia yetu ya Kongo mlio kimbia Rutshuru mnaopatikana hapa Nyiragongo msisumbuke karibuni hapo kutakuwa msaada ambao itakuja kwa ajili yenu tango gouvernement akokoma Amon a déjà sur place organisation Obino Moko Nazali ko féliciter go temi déjà na katina bino félicitation na oyo gouvernement provincial ezali ko sala oyo gouvernement central et ko sala po ete ban son tour et soulager tant soit peu souffrance ya population na biso na wakati wao watafika na washukuru sana kwani watakutana tayari muliweka utaratibu muliweka waongozi wa mabloki zenu na watakapofika na msaada ambao chimbo iko naleta pamoja na ambao itatoka Kinshasa itaweza kuwasaidia kuwapatia hata amani na muweze kutulia kidogo bandi kuna ngai ya Rutshuru Katale Biruma Kisigari bango ban sonde bozali awa batata ba mama bandeko pasi mingi na motema ndenge na telemi awa bo konté likolo ya gouvernement na bino et loko mosusu eko remplacer gouvernement na biso ezalité donc biso baso na répéter ango lisusu moto abum sa biso mitu na makambo kili kilité tozala bo moto moko tozala organiser discours ya lelo ezali discours o ya responsabilité tomitia moto na moto e siga azali azala responsable a réfléchir ezali li sous makambo ya parti politique té ezali li kambo ya gauche droite té ezali li kambo vida imanate ezali li kambo ya écolo la république démocratique du congo tala message nazaki nango pona bino yango wana merci ndugu yango ya Biruma Rutshuru Katale Rugare na wapa tena pole sana kabisa hata wa ndugu wa Kibumba na wapa pole na nataka ya kwamba tuangalie ngambo moja hapa iko tena mambo ya kama vile washabiki wa Virunga na Kabasha wala wa washabiki wa timu fulani hapana sisi sote tunaangalia ngambo moja ni mambo ya nchi yetu udongo yetu ambao sote tunapaswa kupigania ndio ujumbe ambao niliwaletea tushangilie na si pourquoi vous êtes à la rue aujourd'hui oui aujourd'hui toute la population de la ville de Goma est dans la rue pour manifester sa mécontentement par rapport à l'agression rwandaise par rapport à l'agression ougandaise on en a assez nous voulons interpeller la communauté internationale de donner son dernier mot par rapport à la situation qu'on est en train de vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous, la population de la ville de Goma, nous sommes en train d'appeler Paul Kagame, Museveni et ses alliés de cesser avec la barbarie qu'ils sont en train de mener dans l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la police a fait aujourd'hui?
La police vient de se comporter bien. Malheureusement, on était infiltré par des badons qui ont voulu jeter des pierres à notre police. Mais malheureusement, heureusement, on vient de calmer la situation. Donc nous saluons aussi le professionnalisme de notre police. À la manifestation aujourd'hui, la police a fait quoi? Aujourd'hui, nous avons appelé toute la ville de Goma, toute la population de Goma dans une manifestation pacifique. Dans une manifestation pacifique. Et nous, comme étant les acteurs de ceux-là qui ont appelé les gens dans la manifestation, c'était à notre devoir de cadrer cette manifestation jusqu'à ce que nous puissions arriver sur le point de chute et faire passer notre message. Le plus grand message pour nous, ce n'était pas de nous confronter à la police, ce n'était pas également de nous confronter à nos phares d'essai, c'était plutôt d'être derrière nos phares d'essai, derrière la police, en fait que nous puissions faire passer un grand message. Le message est celle de dénoncer cette passivité de la communauté internationale qui est en train d'observer comment est-ce que nous sommes en train d'être agressés par le Rwanda et l'Ouganda sans rien dire. Également de démontrer à nos phares d'essai que nous sommes derrière eux. Nous n'avons qu'une seule armée et nous voulons aujourd'hui former un grand peuple derrière cette armée. C'était le grand message qu'on veut faire passer. Malheureusement, ce n'est pas à dire que la police a dérapé ou soit la foule a dérapé. Comme la foule n'a pas de masse, et comme la police a une mission régalienne, celle de protéger les manifestants, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de personnes blessées. Mais pour nous, ça nous comble. Et nous allons continuer avec des manifestations aussi longtemps que nos phares d'essai ne vont pas engager vraiment de l'offensif. Notre armée, nous voulons la voir vraiment active, en fait que nous puissions mettre l'ennemi hors d'état de nuire et que l'intégrité nationale de ces pays soit contrôlée par les citoyens congolais. Est-ce que vous êtes prêt à accompagner Devoir citoyen, conformément à l'article 63, lorsque nous sommes en train de faire face à une agression, que nous soyons jeunes, civils, armés, que nous soyons des mamans, des jeunes filles, nous tous, nous avons cette obligation patriotique d'accompagner nos phares d'essai. Si c'est pour doter à la jeunesse des armes, en fait que cette jeunesse puisse se prendre en charge, puisse protéger l'intégrité nationale de ces pays, cette jeunesse vient de démontrer qu'elle est prête à tout. Qu'elle est prête à tout parce que si la police n'était pas là, sans armes, cette jeunesse était prête d'aller jusqu'au Rwanda. Et ça, c'est un grand message que nous sommes en train de passer, même au ministre des Affaires intérieures, même au président de la République. Ceux-là qui sont censés nous protéger, ils doivent vraiment veiller avec nous. Et nous sommes en train de lancer également un grand message à Félix Tshisekedi, que nous pensons qu'il a signé des accords maléfiques avec le Rwanda et les M23, chose qui nous met aujourd'hui en péril, met la vie, ou soit la vie de plusieurs citoyens congolais en péril. Et pour nous, on sera toujours là en train de dire à notre gouvernement de mettre ces accords à nid. Nous devons savoir ce que ces gens font pour notre pays. À défaut, nous allons les considérer aussi comme nos ennemis et nous allons nous prendre en charge et former une nouvelle classe politique qui est capable de mettre ses ennemis hors d'état de nuire. À quand la fin de ces manifestations? Les manifestations n'auront jamais la fin. La révolution n'a jamais eu vraiment une finalité. Donc nous voulons voir les changements jusqu'au sacrifice suprême. On veut voir ces changements. Que les M23 partent, on restera uniquement en train de réclamer ces changements dans ces pays. Et c'est un devoir que nous nous sommes assignés depuis que nous nous sommes engagés dans cette lutte citoyenne. Merci beaucoup. Le territoire congolais, précisément, à territoire de l'Ukraine. À tout à l'heure. Bon, nous avons décidé de venir chuter ici au bureau de la CIRG parce que le gouvernement congolais fait partie de cette organisation-là, mais aussi les pays qui nous agressent sont ses membres. C'est pourquoi nous, d'ailleurs, à notre niveau, on a voulu déposer notre mémorandum, mais malheureusement, ils ne sont pas là. Il n'y a que des agents de sécurité qui sont là, mais le personnel de la CIRG ne sont pas là. On peut dire que c'est la fin de la mobilisation ou bien vous allez marcher jusqu'à quand? Non, ce n'est pas la fin de la mobilisation. Vous savez que la souffrance du peuple congolais continue et cette souffrance est orchestrée par le pays, donc le Rwanda. Donc nous croyons que nous allons continuer avec des manifestations jusqu'au point où nous allons obtenir la libération totale de notre territoire. Mais aussi, nous allons toujours continuer à pousser les forces armées de la République de Ouattiti-Congo à continuer à faire la guerre contre ces agresseurs. Merci. Merci.